était une fois un frère, une sœur et un chien prénommés Jim, Gretel et Maspit. Ils vivaient dans les nuages avec leur famille, depuis qu'un savant fou avait irradé la terre. Malheureusement, la nourriture manquait et il y avait beau se dire qu'ils avaient eu de la chance à survivre à cette catastrophe, ce n'est pas ça qui allait leur remplir le ventre. Papa, pourquoi on ne peut plus vivre sur terre ? Eh bien parce que un savant très fou a décidé de faire une expérience folle. Je sais pas pourquoi. Et il y a eu des petits. Ça s'est très mal tourné, oui, très mal tourné. Et on vit plus sur Terre parce qu'on vit déjà un peu plus très bien respiré. Voilà. Et en plus, il y a des espèces de monstres comme dans les gens, les contes, les livres. Comme par exemple des vampires, enfin des choses comme ça. Et donc, on ne peut plus vivre sur Terre. Et il n'y aura plus que les légumes comestibles. On peut manger, il n'y a plus de viande, de coton, enfin toutes les choses comme ça. C'est pas possible! Il faut qu'on arrête nos enfants et cet abruti de chien demain! Avec des parachutes! C'est décidé! J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un.
spectacle, hein, où je prépare tous mes spectacles pour mes... C'est pas le spectacle, c'est pas grave. Donc là, il y a des chaises. C'est quoi? Chaises. Et voilà, je vous laisse visiter, hein, puis moi, je vais aller faire un spectacle. Et vous voyez, je bien là. Allez, j'en ferai bien un petit rôti d'agneau là. Et je vais changer ma nouvelle expérience de champignon nucléaire sur les deux petits enfants là. Donc je disais. Allez, petit chien, regarde, il y a des croquettes là. Regarde, t'as vu, il y avait des croquettes en plus. Allez, voilà, c'est ça, il n'y avait pas de croquettes. Voilà, c'est bon, tu pars comme ça, en plus il comprend. C'est à l'envers. Comme ça, voilà. Hop, on ferme. Oui, va faire. Oui, d'accord. Oui. Tout est. S'il te plaît. Hop, alors. Tu. Voilà, c'est bon, hein. Salut, bien. C'est ma place. C'est ma place, j'ai dit. Allez, parle là, c'est cool. Regarde, oh, j'ai diamant. Ah non, ça c'est bon. Alors, j'ai un deal à vous proposer. Soit je mange le chien que j'ai capturé il y a, je sais pas, pas longtemps, je crois. Soit il faut travailler pour moi et au bout d'un certain temps, eh ben, je vous redonnerai votre chien. En gros, par exemple, moi je dis. Me le donner. Mmh. Et toi, pareil, tu vois, ça te va? Bon, d'accord. Et toi, ça te va? On n'a pas le choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oui? D'accord. Et ben voilà, comme ça, c'est réglé, c'est gentil, c'est gauche. Je vais pouvoir sauver mon frère, sauver mon chien et rentrer à la maison. J'ai hâte de voir ce salon. Vite, vite, viens, là, c'est là. Bon, c'est bon, allez. Vite!
celle-ci. Non, pas celle-ci. Pourquoi pas celle-ci? Pas celle-ci. Celle-ci non plus. Celle-ci, non. Pas celle-ci.